elles sont nues. Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo commence, je vais vous parler de BoyPro. BoyPro, c'est qui, c'est quoi? BoyPro, c'est l'un des meilleurs pronostiqueurs. Malgré le peu de paris sportifs qu'il y a en ce moment, sachez que BoyPro est toujours actif et qu'il continue à parier et à travailler sur les matchs qu'il y a encore. Donc pour le rajouter et pour pouvoir gagner de l'argent, si vous êtes majeur bien entendu, n'hésitez pas à les ajouter sur Snapchat, ils s'affichent ici. Et avec eux, vous êtes sûr de gagner de l'argent si vous les écoutez de A à Z. On se retrouve à la fin pour une petite conclusion. Bonne vidéo à tous et attention, restez chez vous. Ciao. Les gars, je viens de me réveiller parce que j'ai entendu un bruit dans mon jardin. Je vais aller voir. J'ai l'impression que quelqu'un veut rentrer chez moi. J'ai entendu du bruit, je suis pas fou. J'ai entendu du bruit. Les gars, j'ai peur que le mec il veuille rentrer chez moi. J'ai peur que le mec il veuille rentrer chez moi. Je vais me mettre à la fenêtre. Je vais essayer de voir si je le vois dans le jardin ou pas. Il n'arrivera pas à rentrer, il peut pas rentrer. Impossible. Vous voyez, regarde. Qu'est-ce qu'il fait? Il va me défoncer la porte. Ok, il va derrière. Je vais sortir parce qu'il est allé de l'autre côté. J'ai deux entrées chez moi, donc je vais sortir par là. Et on va aller le choper avant qu'il se taille. Parce qu'il n'arrivera pas à rentrer dans tous les cas. Ça va, je te dérange pas? Là, je suis venu aider une amie parce qu'elle est enfermée chez elle. Je crois qu'elle a fait un malaise. Tu es venu aider une amie? Tu me prends pour un con quoi? Vas-y, descends. C'est pas ici qu'elle habite Sophie? Non, vas-y, y a pas de Sophie ici. Descends, bouge-toi le cul. Je vais venir chercher. Je me trompais alors. Ouais, t'es trompé. Vas-y, allez, descends. Descends, accélère. Descends. Non, je suis pas un voleur, monsieur, je suis pas un voleur. T'es pas un voleur? Non, je suis pas un voleur. Oh, descends, je t'ai dit. Oh, tu veux quoi? Descends. Je descends. Tu me prends pour un c*** quoi? Non, je vous prends pas pour un c*** monsieur. Je vous prends pas pour un c*** Ouais, tu me prends pas pour un c*** Vas-y. Non. Vas-y. Il y a une amie qui a fait un malaise. V, arrête de me prendre pour un c*** Y'a pas de Sophie ici. Y'a pas d'amis, arrête de pitié ici, mais j'ai dû me tromper. Elle doit habiter dans la rue. Ah, elle habite ici, mais tu t'es trompé. Bah oui, je connais sa maison, elle ressemble à la vôtre, c'est pas la sienne. Elle ressemble à la vôtre. Ah, il y a deux maisons ici. C'est la même maison, c'est pour ça. Ah, c'est la même maison, vas-y descends, bouge-toi le cul, prends ton truc en haut, tu as oublié ton truc là. Bouge-toi le cul. Ouais, j'attends, vas-y. Vas-y. On va appeler les flics, je te le dis de suite. On va appeler la police. Non, monsieur, s'il vous plaît, n'appelez pas la police. Si, on va appeler la police. Non, c'est pas la police, monsieur, on va appeler la police. Vas-y, pars pas parce que je vais te rattraper. Vas-y, viens là. Mais je me suis trompé, je vous l'ai dit, j'ai pas d'esprit, je pensais que c'était chez elle, c'est la Ouais, vas-y, viens là. Vas-y, monsieur, s'il vous plaît, n'appelez pas la police, ça s'appelle les flics. S'il vous plaît, les flics, vas-y, viens. Allez, viens.
Oui, ça va, ça va. Bah oui, je vous suis. Suis-moi. Mais non, monsieur, c'est un malentendu. Je vous promets, c'est un malentendu, monsieur. C'est un malentendu. Allez, n'aie pas honte. N'aie pas honte. D'accord, mais je comprends pas trop ce qu'on fait ici. Ah, tu comprends pas. Tu veux pas un café, non, peut-être? Non, merci, je veux pas de café. Je veux pas de café. Pas de café? Là, tu veux pas de café, toi. Vas-y, assieds-toi. Monsieur, c'est pas que. C'est pas que quoi? C'est un malentendu. Je vous jure, c'est un malentendu. Ah, c'est un malentendu. D'accord. Vous pouvez demander d'appeler pas la police, s'il vous plaît. On va l'appeler la police. On va l'appeler la police. N'appelez pas la police. Mais comment, on va l'appeler? Mais c'est un malentendu, monsieur. C'est un malentendu de quoi? Arrête de me prendre pour un con, s'il te plaît. Non, c'est la première fois que ça m'arrive. Si j'ai une amie, d'ailleurs, elle doit être inquiète. Elle doit être inquiète que je ne sois pas allé la voir, parce que si elle a fait un malaise, Et là, il faudrait que j'aille, monsieur. Non, vas-y, je vais appeler la police. Assieds-toi, vite. Mais s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Oh, arrête, assieds-toi, je t'ai dit. Tu veux quoi? Assieds-toi. Tu me prends pour un con ou quoi? A vous, sinon j'appelle les flics, sinon tu vas rester avec moi, je te le dis, moi. Mais monsieur, je vais rester avec vous, pourquoi faire? Tu vas rester une semaine, je te le dis. Mais non, monsieur, c'est un malentendu. Qu'est-ce que je vais faire, monsieur, ici, pendant une semaine? Et pourquoi vous me filmez? Pourquoi je te filme? Parce que je fais des vidéos sur YouTube. Tout à l'heure, vous me filmez, pourquoi vous me Parce que je fais des vidéos sur YouTube, voilà. Tu n'as pas le droit de me filmer. J'ai pas le droit. Tu me parles de droit, toi? Tu viens de rentrer chez moi, tu me parles de droit? Mais non, c'est un malentendu, monsieur, c'est pas que je vous ai. J'ai pas voulu voler, j'ai pas voulu cambrioler chez vous, c'est un malentendu. Ah, tu n'as pas voulu cambrioler, donc tu continues à me prendre pour un con. Même chez moi, là. Eh ouais, ne souffle pas, tu me prends pour un con. Je le vois, tu me prends pour un con. S'il vous plaît, ne montrez pas ma tête. S'il vous plaît. Je me sens pas bien. Moi, je t'explique, mais ta tête, je vais la montrer. Je vais appeler les flics. Pourquoi tu es habillé en noir? Mais monsieur, je suis habillé en noir parce que je suis tout le temps habillé en noir. Je m'habille tout le temps en noir, c'est pas parce que je... Ouais, prends pour un con. T'es habillé en noir, toi. Monsieur, s'il vous plaît, allez, laissez-moi partir, s'il vous plaît. Non, je te laisserai pas partir. S'il vous plaît. Mais je filme bien ta tête, là. Ouais, je filme bien ta tête. Non, je veux pas que vous appelez la police. Tu veux pas que j'appelle la police, alors on fait quoi? On fait comment? Tu vas rester chez moi, tu as voulu rentrer maintenant? Non, je préfère rester ici. Voilà, Ben reste ici alors. Tu vas rester ici avec moi, je te le dis. Mais monsieur. Voilà. Arrête de souffler, frère. Assume maintenant. Assume. Mais avouez quoi? Vous voulez que je vous avoue quelque chose? Je t'ai pas dit avoue, je t'ai dit assume. Assume ou avoue? Avoue, sinon j'appelle les flics. Ça va. Oui, c'est vrai. C'est vrai quoi? Bah, c'est vrai, je voulais pas. J'ai pas d'amis qui s'appellent Sophie. Ah, t'as pas d'amis qui s'appellent Sophie. Je voulais profiter du confinement. Mais t'es teubé ou quoi, le confinement? On est tous chez nous. Oui, mais les gens ils dorment à cette heure-ci normalement. Ah, les gens ils dorment, ben moi je dors pas, tu vois. Mmh. Voilà. Pourquoi tu fais ça? Bah, parce que j'ai pas de sous. Voilà, j'ai pas de sous donc. Là, tu vas être nourri, blanchi, ici. Oui, c'est pas bon? Être hébergé, nourri, blanchi chez moi. T'as pas une arme sur toi? T'as pas un couteau? T'as rien? Non, j'ai rien sur moi. J'ai même pas mon téléphone. J'avais juste le pied de biche et vous l'avez pris. Ouais, le pied de biche, maintenant il est là, moi je te le dis. Maintenant tu vas rester là, mon pote. D'accord. Voilà. Il me dit pas d'accord comme ça. Allez, maintenant, assume. Fais sa tête, fais le miskin maintenant. Il fait le miskin. Donc voilà, les amis, comme vous pouvez l'apercevoir, je suis à côté de. Du mec qui a voulu me cambrioler. Hein? On va dire ça comme ça. Je vais le garder pendant une semaine. Tu veux pas dire bonjour à tous les gens qui te regardent là? Oh, c'est bon, arrête ta mascarade. Il n'y a pas de mascarade. C'est la vérité, ma foi. Bref, les amis, vous l'avez compris. Rendez-vous en commentaire sur Instagram pour donner les idées que vous voulez que je réalise avec ce monsieur qui a voulu me cambrioler comme vous avez pu l'apercevoir dans la vidéo. On va le garder pendant quelques jours comme je l'ai dit. Et on va faire en sorte qu'il regrette vraiment son acte. Et comme je l'ai dit, c'est mieux ça que d'appeler la police ou de faire quoi que ce soit. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'il va rester avec moi. Vous inquiétez pas. Il n'est pas armé, quoi que ce soit. Il dort avec moi. Et on va le garder pendant une semaine. Il n'a pas l'air dangereux. Hein. Moi, voilà. Il a l'air bête, mais pas dangereux. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mais si tu t'échappes, mon ami, sache que j'ai ton visage en vidéo et qu'il me suffit juste d'aller voir la police pour que tu sois arrêté. Voilà, donc voilà, c'est de l'inédit, les gars. Donc merci, bon confinement à tous. Et moi, en attendant, je vais rester confiné avec ce mongolien. Au moins, ça fera une personne à moins dans les rues. Voilà, ciao.